Salut à tous, c'est AWOL, de retour avec Little Nightmares 2, dernière partie. Let's go les amis. Elle est archi grande. Il y a un marteau, on va détruire le truc là. Ça lui rend... C'est hypnotisant. En plus maintenant? On est mauvais potes, non? À la base. Bon, ouais. Du coup, là, c'est quoi l'histoire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'échapper par la porte? Tranquillement ou on va se la... Il y a un marteau. Il faut défoncer ça avant qu'elle arrive, je pense. Go! What the fuck is this shit? Yeah.
sont là. Ouais. Je galère. Abusé ce truc. Après, ils vont nous faire un coup de genre. Et tu sautes en mode voilà. Ah, il m'a lâché. Ok. Ok. Je pense qu'il y aura une suite alors. Ok. On l'a sauvé. On est venu la récupérer et elle nous lâche. Waouh. Thanks. Merci. Ok, on va marcher comme ça pendant combien de temps? Qu'il est resté emprisonné là-dedans, salement. C'est lui qui nous pourchassait. Un départ. Il s'est battu contre lui-même.
aura une suite. Fini. Ok. Bon, les amis, c'est la fin. Le jeu, il est incroyable, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. L'histoire, le graphisme, incroyable. Incroyable. Mais quelques petits défauts par-ci, par-là, sur la jouabilité, comme d'hab. Si ça saute plus haut, plus loin, plus vite, tout ça, court plus vite, tout ça, et nous c'est plus ralenti, nous on a plus de mal. Et surtout cette capacité à... Pas cette capacité, ce défaut qu'il y a dans le jeu à vouloir jouer sur les profondeurs, et ce qui fait que quand tu dois sauter, tu sais pas si tu sautes comme il faut, si t'es à côté de la plaque, si t'es sur le truc ou pas, c'est assez compliqué. Donc on peut jouer avec le joystick, ça c'est... C'est pas très cool lorsqu'on manipule la torche, mais au-delà de ça, le jeu il est incroyable. Pareil, comme je disais, le premier opus, Little Nightmare 1, ça m'a pris 4 épisodes, 4 vidéos pour le finir. Et celui-ci, Little Nightmares 2, ça m'a pris 9 épisodes pour le finir. Donc le jeu il est pas très long en soi, il est très court, ça se joue très vite. Et on meurt assez souvent, je pense. Donc il y a beaucoup d'édits, quand même. Et ouais. Sinon, moi je suis très fan, j'adore, j'espère qu'il y aura une suite. Et sinon, il y a un autre jeu qui est dans le même style, qui est Limbo. Si j'arrive à le trouver, je le rejouerai également. Je le jouerai également. Et sinon, là en attendant, Harry Potter sort dans 3 jours. Quand vous verrez cette vidéo, je suis en avance de 3 jours. D'une semaine, on va dire. En attendant Harry Potter, j'ai fini le Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2 en une semaine. Donc là, j'ai fini le 7. Il me semble le 7. Je viens de le finir. Et Harry Potter sort dans quelques jours. Donc je pense que, ouais, en 3 jours, je vais me reposer tranquille. Ça, c'est les vidéos qui vont sortir. D'autant plus qu'il y a le Callisto Protocol qui est en train de sortir également petit à petit. Il est déjà programmé. Le dernier épisode sortira le 8 février. Et du coup, ça, Little Nightmares 1 et 2 ne vont pas sortir tout de suite. Donc du coup, vous verrez sur la chaîne The Callisto Protocol, et juste après, vous verrez Harry Potter. Et quand Harry Potter finira, ça dépend le laps de temps qu'il va y avoir au milieu. Vous aurez sans doute... je sais pas, Resident Evil 4, le remake que je vais jouer. Après, je partirai en vacances entre deux, donc il peut y avoir un petit flottement. Mais ça dépend comment je finis Harry Potter. Si je finis Harry Potter tranquille et que j'ai le temps de sortir quelques jeux avant l'arrivée de Resident Evil 4, le remake, et ben je sortirai Little Nightmares 1 et 2 en attendant dans la foulée comme ça. Et si j'ai pas assez de temps et que Resident Evil 4 le remake sort derrière, ben je jouerai directement à Resident Evil 4 le remake. Et Little Nightmares 1 et 2 sortiront après pendant les vacances. De toute façon, il n'y a pas grand jeu qui sort pendant l'été. Donc je pense que je vais enchaîner avec Little Nightmares 1 et 2 si j'ai pas assez de temps entre Harry Potter et Resident Evil 4 le remake. Et voilà. Et sinon, après, il y aura d'autres jeux qui sont prévus déjà. Mais on verra. On verra. En tout cas, les amis, prenez soin de vous, ainsi que de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter. Et c'était un plaisir d'avoir joué Little Nightmares 1
et de pour vous. On se retrouve à très vite pour Harry Potter, les amis. Prenez soin de vous. C'était Little Nightmares 2, et moi c'est Eowyn. Tchuss, les amis.